Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de Red Dead, donc je vais être rouillé. Surtout s'il y a du PVP. Y a des gens qui parlent de Battle Royale et tout, j'ai vu. Histoire! En ligne. En ligne bêta, let's go. On va tester un peu. Salut Saphir, ça va? Ouais, on vient juste de lancer. Alors, fou là. Yes. J'ai tout lu, merci. De toute façon, si je lis pas, je peux pas jouer. Donc bon. Un mode RP prévu sur le online. J'en sais rien du tout. Je sais pas du tout. Ça va être sûrement un peu comme GTA V, je pense. Je sais qu'on peut avoir une bande de 7, 6 ou 7 personnes. Un peu comme la bande à Dutch, en fait. Donc je pense que on va pouvoir ouais, on va pouvoir faire sûrement du RP. Ça dépend comment on peut communiquer en fait dans le jeu, je pense. Surtout. Genre si on a des émos, si on peut parler. Oula. Here they are. Tell the marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. All right. Let's see what we got. Ah, ça tue! It's got to be one of you. On va faire un mec. Bah, j'espère qu'on pourra faire plusieurs personnages, juste pour tester comme ça. On va faire un mec. Okay, you head through there. I'm gonna need your details. Non, on va faire simple. Non, je sais pas. On fait quoi? Putain, enfin non. Ah, on va faire simple. J'ai pas le temps de chercher un nom sympa. Alors. Sifflement apparence. Alors, on va faire apparence. Il y en a combien? 15, ok. Ils sont moches les gens. Une sale gueule quand même. Gavin, ah ça aurait pu être pas mal, tiens. D'accord. On va peut-être regarder d'abord l'âge, non? Pas l'âge, les cheveux, non? Dans cheveux. On peut tourner le personnage, faire pivoter. Alors. Ah ok, cool. Tell me everything except that you're innocent. I'd find that hard to believe. Pas énormément de coupes en fait. Quite a record we'll have on you. Bon après il va sûrement en avoir plus genre dans le mode, enfin dans le monde. Avec les barbiers et tout ça là. Comme dans le jeu. It's a process, all right, but a necessary one. How you doing with that? C'est pas mal. Dans le pécor. C'est énorme. Okay, then. Le cadavérique. Le plombé. Style de vie. Oh. Oh la vache. Oh, on peut choisir. Ok. Waouh.
Putain, il y a plein de détails quoi. Ah vache, c'est un peu abusé. Genre marque 1, teinte. Tache de rousseur, non. Grain de beauté. Un peu. Non. On peut avoir des boutons. On peut vraiment. Ouais, c'est sympa, on peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est cool, j'aime bien. Cicatrice. Il y a des brûlures aussi, ça c'est des brûlures. Comme ça. Masquer la pilosité faciale, retour infini. C'est énorme. Franchement, il y a déjà beaucoup plus de détails que d'autres jeux, quoi, ça disait. Je suis sûr qu'on peut refaire les personnages du jeu. H37, on peut aller jusqu'à combien ? Jusqu'à 60. Mètre 25. Carrure athlétique dans la moyenne. Lourd, musclé. Maigre, athlétique. On va mettre dans la moyenne. Basse, petite. Les trois. Vraiment sympa. Un être neutre. Creuse. Faudrait que je referais sûrement un personnage et je prendrai genre mon temps parce que là il y a tellement de choses, je vais passer 3 heures et ça, j'ai envie de jouer en fait. J'ai envie de tester le truc. Mais il y a déjà vraiment pas mal d'options. Et ça c'est rien que l'apparence. Alors maintenant il y a quoi? Sifflement. Siffler. Modifier le ton, la clarté. Salut Vox, bienvenue. Clarté. Genre le mec qui fait mal aux oreilles, qui arrête pas de siffler à côté de toi et qui casse les couilles à tout le monde. Laisser ça. Attribut. Ok, on a. On peut pas baisser, donc on a 2 points gratuits en fait. Donc on peut mettre vie, énergie ou sang-froid. Donc, on va mettre santé. On peut choisir la taille?
Parce qu'il y a un truc de mesure derrière, donc bon. Carru. On va rester comme ça. On verra bien. If it's all correct, I'll take a photograph. Bring your hands up onto your chest. Here we go. C'est énorme. C'est plutôt cool. Genre j'aime bien ce qu'ils ont fait. Ça fait qu'on est un prisonnier machin. Mais ils auraient pu tout simplement genre. Faire un mode pour refaire son personnage et après nous lâcher dans la nature, mais non, il y a une cinématique, il y a un peu, il y a une petite histoire et tout ça. Franchement, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Quelques mois plus tard. Sissika Penitentiary, Aile des Hommes. C'est pas sur l'île dans le jeu. Je crois que c'est sur l'île, à droite là. Jackson, Officer Jackson, move those prisoners. Officer Benton, kitchen's a staff. Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving. What are you looking at? Go on, get moving. You with the hammer, and you'll do. We need to perform a work detail out in Valentine. Come on, get in. Open the gate. Come on, Milliken. Yeah! Ah, c'est cool! Putain, mais ils font des choses tellement bien, Rockstar, c'est abusé. I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now, shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Okay. Première fois que je l'entends, celle-là. Pas mal. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay, okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Yeah! Cool! Come on. Then you better get on this horse. Ça fait un moment que j'ai pas joué, donc ça va me prendre du temps. Hein. Est-ce qu'on peut avoir le style?
On va où? Et pourquoi moi? Je suis spécial, c'est ça? On m'a toujours dit que j'étais spécial. That's not much of an animal, but they haven't got far to ride. Must be odd being out of those leg irons. Get on the horse when you're ready. Ready? Wonderful. I hope you'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. 6 months at Sisica Penitentiary, awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, in body or in spirit. I hope I am right about that. Rounding you folks up, and those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. Still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you, forget you were in there at all. That would be fine, of course, but you will listen to my mistress first. She spent a good sum getting you folks out. You owe her an audience, at least. You've been away for a while, so we'll help you get set up in the world. And if you want to accept our offer, you can. That's more than reasonable. And freedom out on the range can wait a few moments longer, can't it? Good. Il y a plein d'interactions. Soon as we're done, you can find your old posse. Or try and start a new one. You'll have money in your pocket to go to the store with. And there'll be chances to make more, if that's what you're after. And chances to raise hell, too, if you feel you're in the need of them. Okay. We haven't got far to go now. Ça risque d'être un peu compliqué au début, hein, avec tout ce qu'on peut faire. You're just up here. There's the camp. Hitch your horse. C'est bien, il nous re-explique tout vu que c'est un différent, c'est un mode différent. Du coup, ça me remet en mémoire tout ce qui s'est tout, tous les contrôles. Chi. Madame, we're back. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Horley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies. And that you were set up by one of three men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Horley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Ok, donc on a une petite histoire et tout. Sympa, ça. Sympa. Alors... Très très moche ce chapeau.
On va mettre la casquette, ça changera un peu. Non. Non. Notre perso est très très moche en fait. Notre personnage est très très moche. Camp d'ouvriers, non. Équipement pour armes, on a rien. Oups, on a fait le tour. Pantalon. Pantalon clouté. Ok, ça marche, ça fait. Hein. Bonne chance. Bonne chance. That looks more comfortable. Hawley? Here, madam. Your very good health. Ah! I suppose it beats dying, hmm? La boisson. Burke's husband was murdered by one of his business partners. Prends la bouteille. I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are. The people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. LeClerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those. Mais vraiment une tête d'abruti quand même. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye for now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Hawley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. LeClerc is a generous benefactor. And where are we headed? Si en passant de votre camp, que ça ira pour vous, pouvez-vous passer d'accord.
petit cancan. Un à quatre membres, un à sept membres. Ouais, c'est pour faire le comme Dutch en fait. Et après, on peut choisir. Oh putain, mais c'est énorme. Oh, sir. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. I'm sure you're tired. Get this done and you can rest. Okay. On a toute la carte débloquée. Quoi. Bureau de poste de Valentine. Ok. Cool. Ah ouais, non, on a une sale tête. Hein. On a vraiment une sale tête. Hein. Mais, on refera le perso à la santé de cheval est indiqué. Okay. On a un lasso. On a un lasso. Non, on verra ça plus tard. On a des missions principales et tout. Vraiment cool. On a une sacoche. On n'a pas d'argent. On a des lingots d'or? Zéro. On verra ce que c'est, des lingots d'or. Comparé à l'argent. Les donneurs de missions sont dessinés dans la carte du projet avec le radar qui est passé en mode exploration. Ok. On va prendre la mission. You must be a Harley's friend. He's one of us. He said you also were. Rick, que ça soit dans l'histoire ou dans le mode en ligne, il fait toujours des magouilles, c'est marrant. Disappointed Alden, that's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming, real charming. By the way, I heard you might want to earn a little money. Well. Some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up in Cumberland Forest. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue. Catalog? Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. Well, see you later, sir. Pourquoi on a un catalogue? Catalogue en page disponible quand vous passez en main permet d'acheter des objets lorsque vous explorez le monde du jeu. Comment on l'ouvre? Mais chasse suivant, comment on l'ouvre? D'accord.
catalogue de poche. Vous serons ensuite livrés. Ah, ça tue. Option. Groupe uniquement, crew uniquement, amis, tout le monde. Style de démarche. C'est énorme. tout le monde va mettre As de la Gâchette, c'est obligé. Tout le monde va mettre ça. On va mettre autre chose, nous, parce que bon. Raffiné. Ça nous va pas du tout, en fait. Silencieuse. Silencieuse. Interaction, salutation, convocation. Pousse en l'air. Okay. Insulter. Cette odeur, action. Journal vide, revenez plus tard. On n'avait pas de notification en attente. Cool! Il y a plein de trucs. Chaque condition a des effets différents. Manger vous permet de remplir, nourrir la santé, nourrir qui est remplie. Oui, ça on connaît. Attendez, vérifier en bas à gauche de l'écran. Oui, ok. Alors, comment ça marche? Est-ce qu'on est en instance? Est-ce que il y a des gens? Est-ce qu'on est sur un serveur avec un nombre limité de personnes? Comment ça marche? Ou alors est-ce qu'on peut jouer simplement avec des amis et on fait du PVE? Faudra qu'on regarde les détails un peu. Chercher le repère. On a 25 ans, on dirait qu'on en a au moins 35 quand même. Hein. Faudra regarder si on peut refaire un perso aussi. Si on peut en avoir plusieurs, ce serait cool. Oh, il y a la vue, ok. Le repère, il doit pas être petit quand même. Il doit être dans la forêt. Oh, waouh, ok, c'est... D'accord. En fait, la zone est extrêmement grande. Ouais, faut voir le but, ouais. Ce serait pas dans le fort quand même. M'étonnerait.
sais même pas si ça sert à quelque chose, la vue comme ça. Mais t'es sérieux? Je trouve pas le camp, t'es sérieux? Ah, ça y est, trouvé. Les repères de la bande peuvent apparaître dans notre exploration. Vous pouvez les piller ses ennemis, récupérer de l'argent, des munitions et autres objets. Okay. Pourquoi tu veux que j'utilise le lasso? Ah non, il m'explique en fait. Okay. On va essayer de faire un peu discret. Le plus possible en tout cas. Moi je pense que le reste on n'y arrivera pas. Watching you die. Okay. Pour le honneur, épargner les bandits pour augmenter votre honneur et puis pour le baisser. Prendre la carte. Okay. A plus, Saphir. J'ai reçu une carte au trésor. Zone de recherche. Ok, c'est pas super loin. C'est énorme parce que du coup ça fait vraiment comme si le jeu principal continuait quoi. Honnêtement, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment cool pour le moment en tout cas. Après faudra voir les interactions qu'on peut faire avec les gens. C'est Red Dead 3. Il y a des objets quelque part. À part les chapeaux, voilà. Je crois que je vais refaire une femme après, plus tard.
Je me demande s'il y aura un reset une fois que la bêta sera finie. Parce que pour l'instant, on est seulement en bêta. Vieille carne. On va aller fouiller le coffre. C'est Eric. Ça va? Va voir qu'on change de cheval. Et vite, parce que notre cheval va nous claquer dans les doigts. Pas entre les doigts, même. Il se fatigue tellement vite, le truc. Et moi, cowboy, ça va. Pour le moment, ça va. C'est sympa, le online. Pour le trésor, ok, ça marche. Non, oh, ça vibre. Ma manette vibre. C'est là. Pas encore de PVP. J'en sais strictement rien. Je sais pas du tout. On vient juste de commencer il y a genre 30 minutes à peu près. Un coupon en super arme de boucle de récolte. L'argent permet d'acheter de nombreux produits et services dans les magasins. J'ai pas tout lu, tous les messages. Ok. Vous avez découvert un coupon de carte de récompense. Vous pouvez vous en servir pour acheter votre première carte de compétence. Ok. Comment on fait? Dans le collimateur, en mode sans froid, vous pouvez marquer vos ennemis avec des cibles. Tirez pour tuer tous les ennemis ainsi que dessiner chaque tir. Instant d'accord. Mode sans froid, votre santé se régénère lentement. Mode sans froid, vous et les membres de votre équipe infligez un peu plus de dégâts. Si plus d'un membre de votre groupe est activé, votre compétence de feu ne se cumule pas. Wow. Je sais même pas. On va récupérer ça. Utiliser. Transaction en cours. Ouais. Ok. Sans fois se remplir chaque fois. Oh non. Pour augmenter une mission scénarisée.
Ok, on a des missions scénarisées, donc pour l'histoire principale de Online. Mais après, faut savoir un peu comment ça marche, parce que personnellement, je sais pas du tout comment ça marche. Je sais pas s'il y a des gens avec moi, je sais pas s'il faut que j'invite des gens. Je sais pas comment ça marche, donc... On peut aller en ville, on peut aller à Valentine pour voir. Valentine. Quel temps de merde. Excusez-moi, je cherche des gens. Il y a moins de monde que dans le jeu principal, enfin, ça c'est normal. Ok, pour l'instant on va continuer les missions principales, on va voir un peu. Les missions scénarisées. Oui, il y en a. Il y a de la folie. Comme le jeu principal pour le moment. Pour lancer le matchmaking avec d'autres joueurs, plus un pour vous détailler de la mission. Commencer le matchmaking. On va voir. Vous avez été déconnecté. Ah. C'est une bêta, restez cool. Commence mal. C'est comme The Division, c'est-à-dire... Je peux faire solo ou en équipe. Ah, ok. Sur Xbox, c'est pire. Qu'est-ce qui se passe sur Xbox? On va retenter le matchmaking, sinon on refait une mission. Il y a des gens qui n'arrivent pas à jouer. C'est dû à quoi? À la connexion? Détail de la partie... Ah merde. On est allé un peu plus loin cette fois. Bon, on s'est fait des coms, mais on est allé un peu plus loin quand même. C'est bien. Oh. Ça me rend triste.
Moi, il me dit que c'est pas dispo sur Xbox. Oh. Ah, c'est peut-être pas dispo en fait du tout même. D'accord. On va retester encore une fois. J'ai quitté avant de comprendre. On va retester encore une fois. Et après... après on fait mission. Ça marche pas. Bon, le matchmaking ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. Toujours pas fini le solo. Le streamer ragé. Il y a rien à rager. Pourquoi les gens ragent pour de la pour des conneries? Bon, on va se concentrer sur les missions alors. On va voir un peu. Mission, l'honneur des voleurs de chevaux. Là, vous avez continué d'aller voir. Receveur, un peu de chevaux. Ah, 4 joueurs, ok. Ah, ok, attends. Ah, ok, en fait, c'est pour la mission qu'on est en recherche. Je viens de capter maintenant. Je pensais que c'était pour tout et n'importe quoi, mais en fait, non, c'est pour la mission qu'on est en train de faire. Ça marche. Comment on fait après? Yes, ça marche. Et ils ont un peu plus la classe que moi quand même. C'est la barbe. On n'a pas mis de barbe. C'est ça qui casse le truc. On n'a pas mis de barbe. C'est ça le problème. C'est la barbe. Il manque la barbe. Il rage sur les haters de YouTube sur Flower 76. Bah, il doit être con complet alors. I win again. Did Horley send you, Pop? I'm Clay Davies. This is my brother, Clive. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Listen, I heard you wanted to earn some money. So, there's a gang of ne'er-do-wells. They are a bunch of degenerates, not good people. They're out near Cumberland Falls with a bunch of horses they stole off of me. Well, that's a lie, but they stole them off a fella I was gonna steal them off of. Maybe you could get them for me. You think you could do that for me, Pop? Bah, évidemment. Oh, look. Ah. Here are your friends. Well, good. Meet me at the stable. Ah, c'est stylé. Même les cinématiques. On est 4 dessus. Ah, c'est cool. And Pop, Horley wanted me to remind you any decent work you can find, take it. But just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh, I do so enjoy these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive.
Ah, ça c'est cool. Ça c'est sympa ça. Genre tu te sens pas seul en fait. Attends, c'est lequel mon cheval? Qu'est-ce qui se passe? C'est celui-là qui court? Non, c'est celui-là. J'ai les carnes, c'est à moi. Moi j'ai le cheval tout pourri moi. Ok, bon, fuck la route déjà, on coupe. Ok, ça marche. Putain, les gens ils tracent et tout. Attendez les mecs! Attendez! Ah moi mon cheval il est. Il est mourant! Il y en a qui ont des pouvoirs spéciaux, ils se téléportent et tout, c'est énorme. Vie de l'équipe 2. Ah, il y en a qui ont quitté la session. Allez au ranch. C'est là le ranch? Ok, c'est là. C'est parti! Mec de partout. Je sais pas, je vois rien, c'est tout noir pour moi. Ça va mec? Derrière, derrière. Ah non, c'est à nous. C'est un mec de chez nous. Okay. Ah, c'est moi qui est full, c'est moi qui est full, désolé. Je dois voler les chevaux. On prend les chevaux. Je prends celui-là. Allez, Bonnie and Clyde, là, on y va. Prenez un cheval. Go, 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 go. On peut faire des signes. On attend notre pote ou on s'en bat les... Ok, on s'en bat les steaks, on y va. On est là pour l'argent. On est poursuivi, je crois. Allez, descends, descends, descends. Plus intelligent que les autres. Allez, on se casse, on laisse de se débrouiller. C'est pas nos amis, on s'en fout. Pourquoi je dois aller là-bas? Oh putain, il y a des mecs de partout. Aouh. C'est moi qui me fais poursuivre en fait, c'est abusé. Alors un truc que déjà qu'il faudrait qu'il corrige, c'est par rapport à où aller. Ok, c'est là-bas en fait. La carte est pas bonne apparemment.
Enfin, des fois, la trajectoire s'efface et tout ça. Donc bon, ça, c'est des trucs à régler, je pense. Au final, c'est moi le dernier. C'est là. Ah, on a fini. Well, well, well. Horley was right about you, dead right. Ain't that dandy? Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. All right. Here's the money you earned. Now listen, Horley came by and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy them. Just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes, he went black. Let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. If you want to buy any extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. Cool. Pas besoin d'attraper un cheval. Bon, ça, c'était sympa. Après, faut sûrement qu'il règle un peu là. Pourquoi on a de l'or? Service. Morning. Assurance pour cheval. Guérison auto graduelle si grièvement blessé. Ensemble de soins, on restaure les noyaux de cheval et les rend dorés. Assurance pour cheval. Assurance pour cheval, s'il te plaît. C'est marrant ça. Cool. Qu'est-ce que je fasse? Ouais, non, mais ça me va très bien, le cheval de Kent. Putain. On va la péter encore. Twin go. C'est bon? Oh, attends, il y a de nouveau. Emplacement vide. Acheter une nouvelle selle. Bon, et après c'est comme le jeu principal quoi. Apparence. Oh putain, c'est trop cher. Laisse tomber. C'est trop cher. Yeah. Notre nouveau cheval. Ok, ça marche. Gull ! Ça va, Gull ? Merci infiniment, Gull ! 8 mois d'abonnement, merci beaucoup. Le online, pour l'instant, on n'a pas fait grand chose. On a fait une mission à 4. Elle était très facile, donc ça n'a pas duré très longtemps. Mais pour l'instant, ça marche. On a eu quelques décos pour le matchmaking. On a eu un peu des problèmes pour rejoindre le matchmaking en fait. Mais au bout de la troisième fois, ça a chargé, ça a marché. Fox Lanterne peut être acheté à l'écurie. Ça... Non, pour l'instant, c'est cool. C'est vraiment comme le jeu principal en fait pour le moment. La chaîne d'assurance va soigner le temps du grèvement blessé. C'est sympa. Une assurance pour cheval. Okay, on va continuer les missions scénarisées, voir ce qu'on peut faire.
peux voir un peu le camp. On peut avoir un camp jusqu'à 7 personnes, j'ai vu. Sympa. Howdy, partner. Yeah. How do you get on with Clay Davies? Horrible little wretch, in my opinion. Pop this and pop that. I'd like to pop him, a slime bucket. Anyway, I've got everything set up. Well, what we have so far, place is pretty nice. I think you did a good job for you. I'll earn my keep. When you get too old to fight, what choice have you got? It's either work or beg, and I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you. Oh, and while you're out on your travels, you may see some folk with employment opportunities. Good folk. Bad folk looking for a tough guy with a gun to help them. Up to you if you listen to them, I guess. You know, I used to like that kind of stuff. One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's a very silly story. Welcome home. Make yourself at home. It is your home. Merci. Sympa. La magasin chez tailleur pour acheter des objets et des vêtements. Là, on était toujours en tutoriel, je crois. Dans des armes pour améliorer celles que vous possédez. Ouh, joli celui-là. C'est une mission exploration à part divers personnages. Enfin, une mission d'un joueur rival pour récupérer la coupe. Contrecarrer la mission d'un joueur rival. Cool. Sympa. Sympathique. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre camp? Accéder au menu joueur. Pourquoi faire? Groupe, camp, écurie, rejoindre rapidement. Une série ou une mission scénarisée. Drapeau blanc. Vous devez attendre 30 secondes. Oups. Oh merde. Je fais une connerie. Salut Nico. Pour le moment, le online est sympathique. J'ai pas fait grand chose encore. On vient juste de jouer il y a une heure. On vient de commencer il y a une heure. Merde, j'ai baissé le drapeau blanc. On peut faire. On peut rien faire pour le moment. On n'a pas assez d'objets. Ok, là il y a quoi? Vous pouvez vous reposer maintenant pour voir le catalogue de poche. Certains articles achetés via le catalogue. Oh, le catalogue, exact. Okay. On peut se faire livrer. C'est Amazon de... Amazon version cowboy, en fait. On peut se faire livrer des armes et tout. Cet objet est verrouillé jusqu'au rang 17. En 9.
Donc il faut acheter et après il y a des choses qui sont aussi verrouillées par rang. C'est sympathique. Et après des fois il faut de l'or aussi, des lingots. Acheter. Oh, ok, il y a des récompenses, des défis à faire en fait. Allez voir Harley à Blackwater, ça on verra après. Un mot a été transféré pour votre compte. Continuez de jouer pour avoir accès aux autres contenus bonus. Gagnez 5 points d'expérience supplémentaire jusqu'au rang 25. Prendre les livraisons. Putain, Amazon, c'est énorme. Ils sont super efficaces. On va tout prendre. La boutique du campeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Thème. Surplus militaire. Marrant ça. Survie. On va mettre survie. Poteau de... Ah, il y a aussi le voyage rapide. Putain, par contre, c'est... On peut lui changer la tenue à lui. Qu'est-ce que j'en ai à foutre à quoi il ressemble. C'est énorme. C'est menti, ça. J'ai pas pu braquer le livreur, ouais, exact. Survie 2. Ok, on va faire les missions là qu'il nous donne. On va voir un peu. Il a changé, John. Et ouais.